Bonsoir et nous comptons aujourd'hui ensemble avec Miss Haïti Angelé. Miss Haïti Angelé qui est un concours qui a 2 ans, qui est dans la deuxième édition. Et nous presque arrivés dans la phase finale là et qui c'est janvier, qui c'est dans le mois de janvier ça, qui c'est le 19 janvier. Nous pensons que mission motivée, même Jacques organisateur, il est motivé. Nous avons ensemble avec nous Vanessa Jean-Baptiste et Machali Jean-Baptiste, qui est là ensemble avec nous. Nous sommes aussi initiateurs d'activité à jeudi. Nous avons fait une conférence de presse ensemble avec tous les médias pour capable et lancer un message d'alerte pour dire que. Concours Miss Haïti Angelé, la deuxième édition, ça, l'Ibal fête en beauté, 19 janvier Cap Vénia. Nous avons Vanessa qui va l'expliquer nous plus sur ça en détail. Nous avons que je dis à nous conférence, ça, nous avons fait tout le monde connaît que 19 janvier, nous avons la finale, deuxième édition Miss Haïti Angelé. Donc nous avec quelques finalistes, et nous avons Vanessa Jean-Baptiste, je nous connais déjà, et nous avons avec nous d'Haïti Marie-Pierre. Oui, dans ce cas-là. Chelsea Jumé, Charlene Thierry, Maud Stéphie Graf Colomb. Qui ça qui gagne, qui ça qui vient dans l'activité, qui ça que nous-mêmes, en tant que médias et en tant que public, et qui ça public là, nous-mêmes, que nous avons gagné comme surprise, qui ça nous avons qui peut passer dans l'activité, ça, juste ça. Bon, je ne sais pas si n'importe concours Miss, donc dans le final, nous avons gagné un opening, peut-être que Mme a présenté ça qui a avec tout le monde. Nous avons gagné un défi de bikini, nous avons gagné un défi avec propre de gala, nous avons gagné toutes questions et dans la dernière partie, nous avons gagné ça tout qu'on parle de nous, qui c'est choix et Miss, nouvelle Miss Haïti et Chine. Nous avons beaucoup de questions et. Et là-dedans, encore tout, je voulais ajouter avec ça que Vanessa a dit. C'est pas seulement les missions qui peuvent performer, sinon nous avons pas de chance toi avec des jeunes qui viennent dans la communauté noire, des artistes. Le cas fait une prestation par eux dans un moment ça. C'est-à-dire c'est pas seulement une mission qu'on a vue, mais il y a des barrages toujours, on te dit une surprise, je vais pas nous dire. C'est une surprise, je vais pas nous dire. Une surprise. Pour la surprise. Oui, pour la surprise, une surprise. Nous pensons que, nous ne connaissons pas, qui côté activité ça qu'il a fait, dans quel local exactement qu'il a fait. Et l'année dernière, avec tout ça, on devait attendre après concours. On dit que vous avez un bateau en remède, vous n'avez pas de avec Simon. Dans Chita Palais, nous avons choisi l'autre côté. L'autre côté, vous avez un peu de venir avec Simon, comme si pas de limite. Et côté ça, on est censé auditorium aéré, l'INA Métro Santa Lucia. C'est ici que nous avons un descendre dans Métro Santa Lucia. Et puis, on est Santa Rosa. 377 Santa Rosa 377 Santa Rosa, c'est ma dit en créole, en français, 377. C'est-à-dire, prenez un jeune dame, mettez date le 19 janvier, mettez l'adresse là, c'est un côté, écrivez dans le monsieur pour vous répondre, et bien, vous pouvez participer sur la page Miss Haïti Angelé sur Facebook. Et puis de là, on va vous joindre qui côté la fait. Ok? Vous ne pouvez pas avoir d'excuses, côté en n'importe quel balai. Il va limiter à ça et puis c'est à Santa Rosa 377. Et ensuite, et l'autre question que nous gagnons pour vous exactement, c'est qui, nous t'avons dit, c'est qui valeur entrée à gagner. Mais ça veut dire que, est-ce que nous avons payé ou bien gagné gratuitement? Parce que c'est une activité que nous n'avons pas aucune affiche qui dit qu'il y a un prix, mais c'est une entrée qui est gratuite, tout ça. Est-ce qu'il y a une valeur, un billet d'entrée pour nous acheter tout ça? Yeah. Normalement, pour le travail que nous avons fait, et puis spécifiquement pour belles mesdames, moi, c'est comme si nous avons gratuit pour nous acheter pour que nous devons faire payer. Parce que nous ne pouvons pas aller comme ça pour ça ouvrir le web. Si nous appuyons une activité comme ça, parce que nous-mêmes, personnellement, nous n'avons pas des sponsors. Et comme si qu'il a pour ça. Sinon, c'est avec même ça que nous avons fait, avec l'entrée, que nous pouvons ouvrir, frais, ça nous a fait, donc nous avons notre local et tout ça. C'est dit seulement 7000 vaisseaux. Il va en pile même, 7000 vaisseaux. C'est dit si on ne dit pas que 7000 vaisseaux, on mérite des bâtons. Parce que 7000 vaisseaux, pour mesdames, d'ailleurs, moi, je suis trop petit. Mais quand même, je suis capable de faciliter toute communauté pour participer. Et bien, seulement avec 7000 vaisseaux, on peut vivre. Il y a un cap qui est disponible ou bien on l'a payé à l'entrée? Non. Et mesdames, il y a un code. Et puis tout si on a besoin de communiquer avec vous. Ah, okay. Sous page là, ou bien moi-même, Vanessa.
Okay. Nous avons communiqué avec nous. Yeah. Mais toutes mes amies, tout le monde, nous avons contacté les potes, nous avons besoin de nous. Okay, ok, et je n'ai pas gardé là, c'est conférence de presse et pour grande finale là, qui gagne pour fête le 19 janvier et qui a fait dans Santa Rosa. Très siete. Mais c'est qui dans le local là? Auditorio AR. Auditorio AR. Et nous avons tout dit mon tout, le local ça est disponible tout sur le site de la Vibration FM, vous êtes capable de regarder, vous êtes capable de jouer plus facile tout. Et ensuite, et mission, si nous avons besoin d'acheter 4, c'est 7000 pesos liés. Si nous avons besoin d'acheter, nous sommes capables de contacter qui n'importe dans la mise que nous avons connu, nous avons contacté. Nous sommes capables de contacter et écrire exactement pour nous capables de jouer 4 panneaux qui est seulement 7000 pesos pour belle activité. Ça. Salut, salut. Nous sommes Pam Sedjana Domilis et DG de la radio à l'Institut. Nous avons connu par exemple pour tout le monde qui a regardé nous là, qui après à part de ça, qui a l'initiative nous fait dans le pays, qui nous réalise nous-mêmes. Personnellement, pour vivre nous dans la ville de Chili, à part de travail ça. Bon, en fait, à part du concours, hein, moi-même, j'ai étudié les relations publiques corporatives à l'Université Andrés Bello. J'ai travaillé tout avec l'exécutive des ventes. Et avant le concours, le samedi, j'ai aidé un cours espagnol qui fait pour les Haïtiens qui sont dans Chili qui ne parlent pas l'espagnol. Qui bon pour ça alors? Les fêtes en parroquia La Victoria. La qui commune? Commune Pedro Aguirre Cerda. Ok. Et Miss Chelsea Exumé. Encore, non, pas Miss Chelsea Exumé. À part de concours, ça que nous projeter en tant qu'image et culture pays, nous avons toujours envie de montrer Chilien aux cultures, nous. Dans la caille, nous mangeons plateau parce que moi c'est un étudiant en gastronomie internationale et moi fais ça avec une fierté pour partager quelques mots sur bagaille de pays de culture. Moi. Merci. Nous venons avec nous. Bonsoir. C'est yes, Barbara, Miss Barbara. Barbara. Nous venons avec nous, Miss Barbara, qui va nous donner plus de détails. Moi, j'ai fait Qualto Media dans le collège San Alfonso et puis je travaille dans l'opéra de Bodega. Moi, intégré dans le concours parce que moi, j'ai trouvé année ça, mais ça a été la meilleure plateforme pour moi pour me réaliser les rêves que j'ai gagné. Parce que Jean-Michel Sanso dit, nous-mêmes, qui sommes jeunes, il faut que nous baillons l'image de nous-mêmes. Parce que, et Chili, il y a nous vraiment différents de toutes les nations. Mais nous-mêmes, si le concours a mis ça, il y a une chance, nous sommes obligés de vendre la valeur, de vendre ça que nous avons dans la caille, nous, pour être capable de nous l'autre gens. Meilleure façon ça, et ça fait plaisir, je me sens toujours satisfaite parce que je suis pour là et je connais le rêve pour concrétiser, pour toujours bailler plus de moi avec l'autre monde qui va connaître. Miss Widenska. Miss Widenska, et... okay. D'accord, nous parlons déjà qui c'est Widenska en anglais. À part de concours, c'est modèle. Et puis, j'ai étudié administration d'empresa en ressources humaines, j'ai passé à Quarto. Participer dans le concours, j'ai senti que c'était une grande chose pour moi. Parce que j'ai songé l'année dernière, pendant que j'étais Chili, j'ai pensé que Chili était dit pour qu'il savait qu'il y ait un pile ici dans le pays comme ça. Et puis, il n'y a pas de rien, au contraire, il y a détruit le pays. Il y a dit non, ce n'est pas tout haïtien qui n'a pas de mentalité, qui n'a pas de capacité pour nous démontrer quelque chose. Je suis sur Facebook, je suis venu au concours, je suis très fier, je regarde la télévision tout le temps, je me dis, wow, je me sens très bien. À part du modèle, je suis entré là-dedans pour participer, pour faire voir que ça a été passé de nous, c'est pour ça. C'est bien ça, c'est vraiment bien ça. Bonsoir, comme vous connaissez, je suis Marie-Pierre Baïti, participante de Miss Haïti en Chili. À part du concours, je travaille, je suis aidé un peu jeune, petit monde, je participe dans la danse. Dans la culture haïtienne. Yes. Bonsoir, je suis Pamse Ruth Stéphigraf Colomb. Moi, à peine fait terminer ensemble avec Quarto Media. Moi-même, je participe à aider les Chiliens à apprendre à parler créole. Parce que voilà, quand moi, je suis dans la communauté, côté que un pile de monde reconnaît moi. Il y a un pile de Chiliens qui toujours disent que j'ai aimé la signification des mots créoles, que moi aider. Et ensuite, moi, j'ai aidé les gens qui parlent créole et espagnol. Tout. Bien que je n'ai pas vraiment fait une forme, mais aider dans ça que je suis capable avec la communauté. Merci beaucoup. Ah, Jean-Stéphie Dian, à l'hôpital à côté de mon travail, moi, c'est traduit.
que traducteur, moi j'ai bien pile là et chinois par les créoles. Oui. Parce que vous voulez par les créoles, moi j'ai bien pile. C'est vraiment bien. Dans 5 ans encore, moi regarde les communautés haïtiennes en tant qu'une communauté que vous pouvez vraiment respecter. Parce que nous allons projeter plus de bagages qui sont positifs. Nous allons projeter moins de bagages qui sont négatifs. Nous allons faire respecter nous. Et moi j'arrive maintenant pour les petits jeunes pendant qu'ils sont à l'école. Pendant qu'ils viennent travailler, ils sont à l'école, ils cherchent un bagage de plein tête. Parce que sans éducation, nous ne parlons rien. Et dans 5 ans, nous allons aimer non seulement pour nous respecter, mais pour nous parler de nous-mêmes avec honneur. Merci. Nous avons une question. Nous avons une question. C'est la meilleure façon que nous sommes capables de voir nous dans la communauté hein, pour nous faire connaître qui est nous et que nous sommes capables de gagner un super mercato que tout le monde est capable de bénéficier de ça. En fait, d'après le ministère intérieur, nous-mêmes, la communauté haïtienne, c'est la 5e communauté étrangère qui est dans le pays. Et moi, je pense que nous-mêmes, nous avons fait la différence entre notre communauté étrangère parce que nous participons dans le Téléthon et nous parlons de ça en pays. Et concours Miss Lato fait plus et communauté étrangère connaît nous. Dans 5 ans, si nous continuons sur voir ça, moi voulais pour nous faire différence dans toute communauté et que nous prenons communauté noire comme une référence des communautés étrangères dans le pays. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Vraiment ça. Parce que faut que nous voyons, on ne peut pas pour nous dire dans un futur qui est lointain, mais dans un futur proche. Parce que nous avons assez de capacité et potentiel pour nous changer ça. Nous avons dit que nous pas évoluer, nous vite, nous faisons une révolution. Nous avons changé, un changement radical et profond très rapide. Et je pense que. Normalement, dans le sens comme si, ouais, et comme on va le voir, c'est le premier bail, ça nous besoin, c'est unir nous plus. Parce que haïtien, si nous disons unir nous, regardez, n'a pas signé pour 2000 blancs ou les vont se le gagner. C'est ça qui manque dans nous-mêmes dans la communauté, c'est l'union. C'est-à-dire, appuyer une autre, pas vraiment, ouais, bénéfice pas nous seulement, mais pour intégrer l'autre monde dans le cadre. L'autre monde qui va côté là, par exemple, comme nous-mêmes qui a fait un travail qui est sérieux. C'est-à-dire, en guise pour boycotter ça dans la ferme et puis tomber tes mains pour nous avancer. Parce que si nous toujours dans la guerre, nous toujours comme si nous ne pas unis nous. Bon, ça nous arrive, peut-être que nous avons regardé le coucher des jeunes femmes dans le ferret, nous ne pouvons pas faire ça. Et c'est l'union, c'est une activité comme ça ici en Chile. Ça, c'est qui est noble. C'est-à-dire, c'est une activité pour tout le monde, parce que vous parlez de concours là, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, même si c'est on ne parle pas d'un, on ne parle pas d'un, on ne parle pas d'appuyer, quand même, de parler de lui, ou faire partie de nos haïtiens. C'est-à-dire, normalement, c'est une façon, c'est changer ça n'a pensé, changer ça n'a fait, et puis de là, on a un bon résultat. Et moi, maintenant, 5 ans, si nous continuons comme ça, et n'a vraiment Jean-Michel Antiadé en référence. Non, mais non, ça va les haïtiens. Mais c'est haïtien, si haïtien, je te mets dans ça, vous mettez. Je ne sais pas si vous avez tout pour l'université, mais ça, c'est que vous avez dit. Je ne sais pas si vous avez dit. Académie Michel Andréos. Un homme qui prépare mesdames, c'est professeur, c'est Michel Andréos qui est un modèle. Et moi vraiment félicite, vraiment féliciter nous pour les activités que nous créons dans la communauté et socialement qui a aidé en plus de jeunes. Et ça fait me sentir fier tout. Et on regarde nous et me sentir image pays. Et parfois j'aime nous dire et blanc sous-estimer nous en pile. Et nous même nous plus intellectuel parce que les membres par rapport avec pourcentage et en alphabet ici, nous venons plus que nous qui apprennent. Juste question, je vais adresser ensemble avec moi et nous qui devons être capables de répondre à une question par moi.
Et qui ça nous pouvons faire pour les jeunes? Parce que nous parlons en plus de jeunes, nous parlons en plus d'espagnol. Le problème des jeunes, tout le monde qui est venu et en plus de parents enfantés ici. Et nous parlons en plus de jeunes. Est-ce que les jeunes, est-ce qu'ils ont peur pour encadrer eux? Et tu peux participer dans notre mise qui est faite générale, socialement qui parle espagnol. Et si quelque chose, vous pouvez nous aider ensemble avec nous. Les pépiniers qui sont venus, est-ce que vous pouvez nous encadrer eux? Et parfois, et on me dit qu'on va parler plus espagnol que créole. Vous posez une question qui est plusieurs. Normalement, c'est le premier encadrement de combattre. Semaine, ça nous a même parlé de ce groupe que nous avons ensemble. Il y a une mission et comme si dépend et que vous même tout vous avez fait, c'est aider les haïtiens à parler créole. C'est égal, c'est culture. Vous n'avez pas connu. Apprendre les haïtiens qui font là, ou ça qui est là, je mets français. Parce que le français a déjà perdu. Si nous mettons normalement, et pour aller ça, il y a une navale qui est en coulisses, qui peut vraiment et parler tout ça, mais si vous me connaissez, c'est que vous avez une invitation que vous faites nous pour les gens qui ont participé à la Miss International qui a fait en France. C'est-à-dire, normalement, déjà, c'est un atelier pour les gens qui ont Miss là. Et pour qu'on colle. Mais qui est-ce qui a Miss là? Non, jusqu'à présent. Tout le monde. Je pense que c'est un fils. Eh bien, nous comptons nous dire un grand merci avec l'organisateur Miss Haïti en Chili. Il a son fierté pour nous et en tant que médiateur, son fierté pour nous présenter une belle activité ça et pour nous vendre dans l'autre communauté, pour nous faire vivre plus loin toujours. Et nous pensons que l'initiative, ça que le pape mourit, ce n'est pas ni avant-dernière édition, ni dernière édition. Ça veut dire que il y a l'autre bagage encore qui a venu. Et moi, je félicite M. Tout qui a courage parce que moi, je suis un homme qui est timide. Pile, moi, je vais marcher. Ça, c'est une belle initiative. Et nous avons un cran pour nous entrer là-dedans. Nous pensons que nous faisons fierté la communauté haïtienne et nous allons continuer à supporter. Eh bien, nous disons merci avec tous les médias qui ont participé, Hebdo TV, nous disons merci ensemble avec Radio Alliance et Radio Alliance, et nous disons merci tout avec Vibration FM qui était là. Et remerciement spécial à Machali, et remerciement spécial tout à Vanessa Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci tout le monde, et nous avons tout le monde net, et le 19 et janvier à 7h. Le 19 janvier à 7h, non? Auditorium AR Santa Rosa. 377, Metro Santa Lucia. Metro Santa Lucia, c'est très facile. Nous avons tout le monde. Merci. Mais les vestes nous sont nous, belles, si vous avez besoin de formel. Ah, ok, bon, c'est un bon formel. Merci tout le monde et merci, mission, encore pour.